Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les pièces qui ont été modélisées sur Onshape et qui peuvent être imprimées en 3D. Il s'agit par exemple du boîtier dans lequel on va monter le Raspberry Pi, le circuit PCA 8685 sur lequel on pourra passer par exemple ici la prise USB pour raccorder le Raspberry Pi et la prise RJ45. Donc comment procéder? Alors c'est pas très compliqué, on va se rendre dans la partie divers. Alors on aurait pu le faire à partir des pièces directement, mais on va prendre directement au niveau des pièces. Ici je suis dans un part studio où je n'ai que le couvercle, je fais un clic droit sur le couvercle et là je vais faire exporter. Et là je vais obtenir un format d'export que je peux choisir, et là je vais choisir du STL. On l'exporte et on a notre petite pièce qu'on peut donc insérer dans le logiciel d'impression 3D. Je fais de la même chose pour le boîtier. J'ai le fond et j'ai également l'entretoise qui sert à protéger le Raspberry Pi et à fixer donc le circuit PCA 8685 qui sera vissé là. Donc je peux les exporter, même chose, clic droit, exporter. En ce qui concerne les pièces qui seront placées sur le plateau. Donc là vous avez vu comment créer des exercices. Maintenant on va pouvoir créer les pièces pour pouvoir jouer ces exercices. Alors pour cela on va se rendre à nouveau dans divers, plateau feuille, et là on voit que sur la feuille, on l'avait vu déjà dans la vidéo précédente, la feuille être paramétré pour créer des exercices, et là j'ai mis en place quelques pièces, j'ai défini quelques pièces. Alors comment procéder? Alors on va s'appuyer sur une esquisse, par exemple il s'agit de l'esquisse 7. Je vais faire un clic droit sur cette esquisse 7, je vais la modifier et je vois que cette esquisse possède des contours cylindriques ou rectangulaires avec des dimensions de pièces et donc une petite épaisseur de 2 mm. Ce sera des corps qui seront creux et qui auront des parois de 2 mm pour alléger un petit peu chaque pièce. Donc pour cela on va par exemple apprendre à faire une nouvelle pièce carré. Donc là je vais définir une pièce par exemple de 50 par 30. Donc j'ai choisi un rectangle par sommet, je vais le côté. Donc là je vais mettre 50 par 30. Voilà. Donc il faut faire des pièces correspondant aux exercices qu'on a paramétrés. Ensuite, on va faire un décalage des entités. Donc je sélectionne mes entités, je fais un décalage et je valide la valeur à 2. Voilà. Une fois que c'est fait, je sors de mon esquisse. Voilà, donc là je vois toutes les autres pièces qui sont bien faites. Celle-ci n'est pas bien faite, évidemment. Par contre, on a déjà un contour qui a été fait, puisque dans l'extrusion 5, je récupère l'esquisse 7. Donc si je fais un clic droit modifier, vous voyez, on voit qu'on a des faces d'esquisse 7 qui apparaissent. Donc je vais simplement ajouter l'intérieur de mon profil de ma pièce pour créer le fond de mon boîtier. Je valide. Voilà, donc là mon boîtier a bien un fond, et pour pouvoir créer les parois, eh bien je vais créer à nouveau un volume, une extrusion à partir de mon contour ici d'esquisse. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais cacher le dernier élément qui apparaît ici, alors que je peux renommer au passage. Clic droit, renommer, je vais l'appeler grand pavé de 50, je crois que c'est 50 que j'ai mis. Alors 50, ça c'est la longueur, on va mettre un pavé de hauteur 15. Voilà. Je fais donc soit un clic droit caché ou je clique sur l'œil pour le cacher. Maintenant je vais faire une extrusion et je vais faire une extrusion de mon contour ici. Et là j'ai dit que je faisais une extrusion de 15. Donc attention,
je mets mon extrusion à 15 et je vais choisir, je vais ajouter cette matière-là à quel élément? Eh bien, à mon grand pavé. Voilà. Donc là, le grand pavé apparaît bien, je valide. Bien, donc là, mon pavé a été réalisé. On ne le voit pas, pourquoi? Parce qu'il est caché. Il suffit de cliquer sur l'œil et là, on voit apparaître le pavé. Voilà, donc comment faire pour récupérer toutes ces pièces, hein, vous pouvez en faire plein d'autres avec des formes différentes, ça peut être des hexagones ou autre chose. Eh bien, je prends la première, je maintiens la touche Shift enfoncée, je prends la dernière, clic droit et j'exporte au format STL. Et j'obtiens donc mes fichiers que je peux insérer dans le logiciel d'impression 3D. Voilà, c'est terminé.